prendre un bain au lever du soleil. Et pareil que c'est dans un sommeil, ça réveille. Ok, mais là je touche encore la planète. Ok Houston, on a quitté la Terre. Attention, tu vas te prendre de jeu. Ça dépend s'il y a du courant ou pas. L'éboulement du 4 février. Tout ça, cette lumière-là. Alors je remarque une chose, je vois personne. Habituellement ici il y a plein de touristes disparus, volatilisés. Où ils sont? Faut que je fasse attention quand même parce que j'avais vu une méduse au-dessus des parcs à huîtres et là j'ai suivi en fait. C'est une petite marée là. C'est même que tout à l'heure quand l'eau va baisser, hein, les plus petites marées justement, ça attire une certaine espèce de... J'avais toujours fait l'erreur de penser que le café turc c'était cet endroit-là. Et non, en fait, c'est pas ici. C'est juste la grotte qui est plus loin là, au milieu de la falaise. Et voilà, un abri à nouveau propre. Merci qui.
ça ne monte même pas jusqu'à l'échelle. Liberté incroyable et absolue de savoir nager comme ça et pouvoir aller partout. Bien sûr, je suis prudent, c'est-à-dire que je prends risque zéro. C'est-à-dire que là, l'eau est calme. Il n'y a pas un souffle d'air. Et la mer est comme un lac. Ça fait déjà depuis 3 semaines que c'est comme ça. C'est très progressivement que je suis... Au départ, je m'amusais à nager avec 50 cm d'eau au-dessus des parcs à huit. Je trouvais ça joli, etc. Puis après, 1 mètre, puis là, carrément, à marée haute. On est porté par l'eau. Une fatigue, on fait ça. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ça flotte. Ici, on approche de la petite porte là. Alors c'était quoi, les gens demandent? Eh bien, c'était un ancien vivier à homards. Et donc c'était une réserve. Et j'ai appris l'année dernière que c'était Monsieur Pourré, un ancien poissonnier d'ici. Et puis il avait fait installer ça donc en 70. Et c'était. Il mettait donc ses réserves de homards et c'était cadenassé. Sauf qu'il y avait après, il y avait des cambriolages, il y avait plein de voleurs qui venaient faire sauter les hérons sans arrêt. Et donc, du coup, il en a eu marre, il a laissé tomber. Et bien c'est, voilà, j'ai appris ça récemment. Il y en a peu qui savent cette histoire de cette entrée qui est découverte à marée basse. Bon, insolite, trop tard. Mais au grand marée, c'est jusque là où je tournais des films. Et je vous condamne à mort pour le restant de votre vie. Au plan sur ces silex là qui sont là. Voilà. C'est magnifique ces silex. Voilà, cette couche de silex là. Ah, c'est ça qu'on appelle le tchalcroc. Ah oui, c'est peut-être ça. Voilà, le fameux tchalcroc. Voilà. Voilà. C'est beau. Piégé par la marée haute, il s'est laissé entourer d'eau et fut obligé de rentrer à la nage. Bon là c'est de la triche, je marche sur le fond. Ah si, ouais, c'est bon.